بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا اجعلنا من أحببت حبا خالدا، ومن باركت له بركة عظيمة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وابعد عنا سخطك ومقتك، أبعده عنا أبد الآباد يا رب العباد. أما بعد، السلام عليكم ورحمة منه وبركاته ورضوة. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil sur des versets relatifs aux kuffar, les infidèles, les négateurs et les associateurs. Dans les versets situés au milieu ou vers la fin du chapitre, l'inéluctable. C'est-à-dire qu'il est l'inévitable, c'est-à-dire l'heure de la résurrection, du rassemblement et du jugement, le puits, paradis ou enfer. Cette sourate, ce script-là, a été révélé après Al-Mulk, la royauté. Elle a relaté le mauvais sort de Ad et Thamoud, Pharaon. Elle finit par des choses qui méritent d'être vues et revues de la part des gens qui cherchent leur salut. Bon, après avoir décrit l'état des vrais musulmans au jour de la résurrection et au moment du verdict, tout au long du jugement et enfin du verdict, il passe à la description de l'autre camp, le camp diabolique satanique. Qu'est-ce qu'il dit? Wa amma, c'est le verset 25. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا. 26. ولم أدري ما حسابي. 27. يا ليتها كانت قاضية. 28. ما أغنى عني مالية. 29. هلك عني سلطانية. 30. خذوا سي دو كي دي يابلو لوي سيرتان archange et ange, et puis, فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكل ولا خاطئ. Bon, on s'arrête là, le verset 37, et on reprend. وأما, quant à ceux qui vont recevoir leur livre, c'est-à-dire de leurs actions, de leurs pensées, de tout leur sorte, toutes sortes de langages qui ont vécu auparavant, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Celui qui va recevoir ce livre-là, le livre des actions, des pensées, des complots, etc. Il a reçu par derrière avec sa main gauche. Shimal ici, c'est symbolique, c'est-à-dire tout ce qui est sinistrerie, tout ce qui n'est pas dans l'intérêt des faqalés. Wa ma man uti kitabu shimal fa yaqulu ya laytani lam uti kitabiya. Il dit pourquoi je n'ai pas
pourquoi j'ai eu ce livre-là de mauvais augure. Parce qu'il ne contient que ses crimes, ses actions perfides, pernicieuses, destructrices, surtout les politiciens. Ça, il faut le savoir parce qu'ils ont vraiment trop comploté contre la voie divine, contre les vrais musulmans, pas les faux musulmans. Parce que les faux musulmans sont maintenant la chair et canon dans cette guerre qui se poursuit depuis longtemps sur la terre de l'ancien monde islamique. Et Aït Akhenet, et moi, فيقول إذن لم أنت كتابية في الفرس السمو ولم أدري ما حسابية parce que si je n'ai pas reçu ce livre je ne veux pas comment dirais-je être devant mon jugement c'est-à-dire le bilan qui est désastreux il est maintenant devant moi et a mes deux des avantages dans le futur dans l'avenir, mon avenir qui est un avenir comment dire, ténébreux. Voilà mon outil, ou à ma kitaba, mais si mal, il y a un outil qui est bien, voilà ma adrima, c'est bien. Vous voyez, maintenant, ces gens-là, les gens du malheur, les gens des calamités, des catastrophes, même les épidémies sont provoquées par certains groupes malfaiteurs, généralement sionistes, pour expérimenter tel germe, tel virus dans un espace donné et pour une durée donnée pour voir qu'est-ce que ça donne, quel type d'épidémie, comment cette maladie-là va se transmettre et à quelle vitesse elle va envahir l'environnement. Vous voyez, tout ça c'est bien connu, les calamités sont pas toutes spontanées, pas toute naturelle, mais provoquée par des groupes de cet akabi-là. Akabi, vraiment satanique. Regardez bien et pensez-y. Donc, Amma Manouta Kitabo Bishimal, Fayakuru Eritel Mouta Kitabia, Wem Adrima Hassabia. Or, le jugement, il est sûr. Dieu l'a promis et il le sera. Avec l'impartialité absolue, et avec un jugement juste voulu par le Dieu unique Allah, le sublime, le souverain, le patron, le justicier. Dans l'ici-bas, ils sont toujours fébriles, ils sont toujours très actifs dans le monde de la médecine, on sait que l'hyperactivité, c'est un mauvais symptôme. Ça dénote un trouble de la personnalité et peut-être ça veut dire que cet être-là n'est pas heureux, n'est pas tranquille, n'est pas apaisé. Donc ces gens-là, dans les ici-bas, ils sont dans les congrès, partout, c'est eux qui, comment dirais-je, font ces programmes-là de congrès pour mieux comploter, pour mieux mettre en action leurs projets démoniaques, etc., etc. Donc, ils bouffent beaucoup, ils tombent dans la fornication la plus vulgaire, tout est à leur, comment dirais-je, à leur service. Mais ce sont des services malheureux. Parce que c'est funeste. Ça va mener vers cet état-là. Regardez-les dans les stations de tramway s'ils sont, comment dirais-je, sont satisfaits par ce moyen de voyager. Regardez-les dans les transports aériens. Ils sont fébriles. Ils sont désactifs. Ils passent par un moyen autre que le moyen des autres gens, les vrais commerçants, les vrais hommes de culture, femmes de culture, etc. Eux, ils ont voulu que tout leur soit disponible, que les limites
ils ne reconnaissent pas ces limites-là, donc ils ont tout fait sur le mauvais chemin. Et vous savez bien ce que ça veut dire un politicien. C'est le plus comploteur et le plus meurtrier et le plus arrogant et le plus méchant, généralement. Il y a une minorité que Dieu les protège, mais si ce monde-là, maintenant, il est dans un état lamentable, c'est le fruit, le mauvais fruit de leurs actions. Donc, ce qu'il y a maintenant, comme service rendu à ces gens-là, frontières, etc., si on peut dire ça, là-bas, ils sont pris par cette réception de leur livre, ils sont pris devant Dieu pour que le bilan soit manifeste, soit révélé pour l'intéresser et pour les autres. Parce que ça, intéresser les autres, ça maximalise le malheur de ces gens mal famés. ولم أدري ما حسيت يا ليت يا ليت كانت القرية يلدي هلاس فيني je serais mieux si la première vie était la définitive. Oh, c'est pas vrai. C'est le premier pas vers le trépas éternel au fond de la géhenne. Il espère que sa vie antérieure serait la dernière. La première ou la dernière. Or, c'est pas ce qu'ils veulent, c'est Dieu seul veut, et c'est lui seul qui observe, c'est lui qui juge, et c'est lui qui donne le paradis à ses bien-aimés, aux vrais soumis à lui, qui ont reçu l'ordre et ils ont obéi, mais les autres qui ont refusé l'ordre et désobéi, ils ont leur commune place dans la géhenne et pour l'éternité. Maintenant, il reconnaît que tout l'or, l'argent, les lettres de tout ce qu'il y a comme utilité, de ce monde, le bas monde, la vie présente, la valeur fiduciaire, etc., etc., ça ne marche plus là-bas, c'est le moment de la réponse divine. Maintenant, ils ont, dans cette vie-là, ils ont fait ce qu'ils peuvent pour détruire ce monde-là, pour corrompre les gens, pour causer le désordre le plus infernal, etc. Mais là-bas, il va dire que toutes ces richesses ne lui ont pas servi. Ils sont desservis maintenant parce que Dieu veut qu'ils soient dans le corps, qu'ils soient dans le corps des perdants. Et l'autorité qu'ils ont eue dans la vie préalable, qui est derrière eux, maintenant, elle n'a plus de sens, elle est absente, et ça cause encore plus de malheur à ces gens-là, parce qu'ils ne tolèrent pas l'insatisfaction, ne tolèrent pas l'absence des désirs, ni l'exécution des plaisirs, il n'y aura plus de plaisir, il n'y aura que des déboires et des plaisirs. Elle est carnée sur le tania, il n'est plus le chef dans l'armée, il n'est plus le maître à bord dans l'espace politique et diplomatique, et il n'est plus rien sauf pour être envoyé à la géhenne, à la fournaise. Helka Ani Sultania, oui, ici, toujours, on a, parce qu'il n'y a que il a les emblèmes, il a les festivités, il a les honneurs, etc., mais là-bas, c'est tout à fait inversé. Helka Ani Sultania, je vous dis ça parce que Dieu, c'est sa parole, c'est son livre, le dernier livre. Donc c'est le livre qui ne peut pas être défiguré.
il ne peut pas être rasé. Il ne peut pas être, comment dirais-je, transformé dans un sens ou dans un autre. Jamais. C'est la parole qui est maintenant définitive, qu'elle est toujours accomplie par Dieu. Tout ce qu'il a promis, il est là et il sera aussi dans l'autre monde. Donc méfiez-vous de ce Coran-là. Il ne dit que les vérités. Si vous les acceptez, vous êtes sains et saufs. Si vous résistez dans le déni, vous n'aurez que des malheurs et des douleurs effroyables, intolérables. C'est l'hyperalgique là-bas. Il n'y a pas une alimentation vraie, saine, constructive. Ni, il n'y a pas de, comment dire, de plaisir, etc. Là-bas, ou bien un plaisir éternel, au sein du paradis, ou bien l'autre monde qui est vraiment intolérable et indescriptible. Vous pouvez avoir certaines caractéristiques de la GN en lisant le Coran. Parce que tout ce qui est comme description, c'est quelque chose de véridique. Le doute ne peut pas toucher ce monde du Coran. Jamais, jamais, jamais. C'est pourquoi nous, les gens du Coran, nous vous transmettons ce qu'il y a par notre, comment dirais-je, notre pouvoir d'explication, notre pouvoir de rémorisation. On vous engage à bien tendre l'oreille, à bien faire activer votre imagination, à prendre votre choix dès maintenant, parce que personne parmi les créatures ne peut avoir une idée exacte de son avenir. Donc, méfiez. Parce que nous sommes sur le sentier de Dieu et nous imitons les prophètes, que la paix d'Allah soit sur eux, dans leur transmission. Voilà notre rôle. Nous ne demandons rien en retour, parce que pour exprimer notre amour à Dieu et pour vivre notre soumission à lui, il faut au moins transmettre quelques vérités qu'on trouve au sein du Coran et au sein des paroles du prophète Mohammed, que la paix d'Allah soit sur lui, ou les autres prophètes à travers le Coran. Donc Dieu dit, et après lui les anges qui sont consacrés à ça, donc saisissez-le, prenez-le avec violence et vaghullou, c'est-à-dire enchaînez-le. Il n'a plus le droit à la parole. Parce que maintenant, le livre qu'ils ont reçu par la main gauche, c'est lui seul qui va parler, et puis toutes leurs cellules, que ce soit cutanées ou autres, sur l'ORL surtout, ces paroles-là, ou la mimique, ou la couleur de la peau, tout ça, les mains, elles vont transmettre ce qu'il a eu comme mauvaise action dans la vie antérieure, etc. Khudou faghullou, thumma al-jahim asallou, et le faire entrer dans la gêne, dans la braise, dans la fournaise. Thumma bis'atri, après cette entrée-là désastreuse, très douloureuse et très ennuyeuse, et qui fait vraiment froid au dos. Mais là-bas, il y a la chaleur qui brûle et rebrûle la peau pour que la douleur se perpétue. Et puis, on serrait-le dans une chaîne qui mesure 70 coudées. Ça vous dira une coudée. Et aucun homme n'oublie l'armée. Et puis il le rappelle, et à lui aussi, ses antécédents terrestres. Et non, qu'un homme n'oublie l'armée. Donc, il ne reconnaît pas qu'il y a un Dieu vrai, un vrai créateur. Sinon, comment expliquer cette existence-là? Tous les phénomènes, tous les événements, toute cette harmonie céleste, etc. Et les mystères du temps,
les plusieurs formes de l'espace, etc. Qui peut vous expliquer ça sans reconnaître qu'il y a un Dieu qui s'appelle Allah. Il n'y a qu'un ayoum, l'oubillah al-Azim, le suprême, le sublime, ou la yahoum ala ta'am miski. Et puis il n'a jamais hésité à alimenter les, comment dirais-je, les pauvres, les indigents. Fallait c'est la ouliam ala mouna hami. Et dans ce monde, le second monde, fallait c'est la ouliam ala mouna hami. Il n'y aura plus la possibilité ou la chance d'avoir un ami indigent. Jamais. Parce que là-bas, il n'y a pas d'amis, chacun il est occupé par son destin. C'est fini, le travail de groupe, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ça ne marche pas là-bas, jamais. Donc, laissez cette idée-là en dehors de vous, parce qu'elle n'est pas une bonne idée. Ça ne donne aucun conseil. Mais par contre, elle vous, comment dire, subjugue, et elle vous séduit, ni plus ni moins. Pas autre chose. Donc, méfiez-vous de la séduction qui est généralement véhiculée par Satan et son armée, la maudite armée. Et puis, son alimentation sera quelque chose de très futile, de très comment dire, dégoûtant, etc. Et les caractéristiques de cette alimentation-là ne peut être accepté que par les gens qui ne savent pas distinguer le bien du mal, le beau du laid, le vrai du faux, etc. Et puis Dieu, il jure par tout ce que nous voyons, ce qui est dans le monde de l'invisible, c'est-à-dire un signe, ça va être la fin de cette sourate. Que Dieu nous garde de tout son courroux, qui nous donne son complet agrément. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.